dans les types, ça se prépare en amont. Donc c'est, aujourd'hui, par exemple, c'est le retour de ce qui a été fait hier. Et ce travail de précision fait qu'on arrive à être très juste dans les moments importants. Il y a eu vidéo, donc cette vidéo nous a permis notamment d'asseoir la stratégie qui était mise en place contre cette équipe du Qatar. On sait que ça va se jouer, hormis la stratégie, sur l'intensité qui va être mise et surtout au niveau émotionnel, puisque ça va être une salle qui va être pleine. Il y aura aussi les arbitres qui vont être déterminants, en espérant qu'ils vont pouvoir contrôler toutes les situations. Ben, faire la petite promenade, c'est une promenade de tradition, on va dire, parce que le jour même d'une finale, c'est pas la peine de s'entraîner. Je pense qu'après avoir joué déjà 8 matchs, c'est vraiment pas le moment d'aller s'entraîner le matin. Je pense que tous les joueurs sont déjà concentrés et ils n'ont qu'une chose, ils ont hâte de commencer, de jouer cette finale. Après c'est comme bon le semble, hein. Il y a des joueurs qui dorment 1 heure, il y en a qui aiment bien dormir 2 heures, il y en a qui n'aiment pas et qui boivent un petit café, qui profitent de discuter entre eux pour certaines affinités par poste. Donc après c'est au bon vouloir et aux habitudes. Ben, on va aller manger maintenant et puis on va essayer de se concentrer. Donc tout le monde doit se concentrer, staff et joueurs.